Re YouTube, on repart sur du mini royal nul. Parce que là on est mort comme un caca humain sur du royal normal. Alors royal normal de l'emmerdement où j'ai fait 6 points de dégâts dans toute une partie de 30 minutes. Donc ça valait le coup. Donc on va essayer plutôt sur mini royal, il se passe un peu plus de trucs. Et les parties durent un petit peu moins longtemps. Alors, dans la partie précédente, c'est vrai, j'ai tué deux pneus dans la partie. Je pense que c'était vraiment important. Ça a changé toute la game que j'ai tué deux pneus. Ah, je suis tellement deg, j'avais fait un plan nickel et puis j'ai glissé, chef, et voilà. Décès gratos. Oh là 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 là. Je suis trop con. C'est pas croyable d'être aussi nul. Hein. Falloir que je paye un joueur pro pour jouer à ma place et je ferai semblant de jouer. Ou alors que j'apprenne à jouer. C'est mon point de vue. Je sais pas où aller. Va retourner là, j'étais déjà allé une fois, ça s'était bien passé. Ouais, mais non, le mec, tu dis qu'il va se taper la map de l'infini à pied, mais c'était pas si loin que ça, honnêtement. Après, enfin, la prochaine zone, on sait pas où elle était, j'ai pas fait gaffe, j'étais en combat. Mais à mon avis, elle était pas loin, t'inquiète pas pour lui, hein. Puis là, il s'est fait un silencieux derrière, t'inquiète pas qu'il est bien content que je lui ai crevé son pneu, hein. Il me remercie, le gars. Là, je fais une connerie, hein. Je devrais badash. Parce que lui, j'arrive avant lui au sol, mais il est plus proche des bâtiments et du coup du loot. Et donc, voilà. Et prends-la ton arme. Il est là-dedans. Il est pas là-dedans. Il me court après. Il me courait après. Là, je l'ai brin. Je l'ai brin. Par contre, j'ai défoncé le gilet qu'il m'a porté. C'est bien dommage. Le mec qui est jamais content. Ouais, à bout touchant, ouais. Voilà, à bout touchant, je suis bon. À bout portant, c'est mitigé. La cache, je suis toujours pas convaincu. Jette l'arme qui m'a fait gagner mon combat. Notre mec là, en face. Allez, mais saute, escalade! Il voulait pas escalader. Je repasse sur mes pas, hein, mais c'est parce que j'ai looté vite pour tuer l'autre. Du coup, j'avais pu louper des trucs. Ok, des mecs certainement à ce village là et au village en face. Enfin, au village en 250. Oh oui. Mais c'est possible d'être aussi nul? Je suppose que oui. J'ai réussi à le faire, mais quand même. Netcode? J'ai pas compris là.
J'ai tiré là où il était, et mais il n'était pas là, donc j'ai tiré avant qu'il apparaisse, mais lui il m'a tiré alors que j'étais plus là. Donc en fait je l'ai jamais vu, mais lui il m'a tué. Je comprends pas là. Ok, il a eu le temps de se soigner. Ah, de 2 HP. Ok. Ok, il a tiré dans le mur. Oh, d'accord, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu avec son netcode fini à la pisse. Donc, tricherie, il y a un netcode de merde dans votre jeu. Il n'y a pas ça comme tricherie. Putain de netcode. Pardon. Oh, c'est incroyable les netcodes buggés du cul là. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un pré-shot. Donc, il a tiré avant de voir l'ennemi. Et dans ce jeu, comme c'est de la merde en boîte, tu peux tirer dans le mur en te déplaçant. Et comme le jeu est très bien codé, la balle, au lieu d'aller dans le mur, elle anticipe ton déplacement et du coup, elle va sur le mec. C'est magique. Headshot pour une fois, quoi. Il m'a headshot. De toute façon, ça changeait rien, j'avais pas assez de vie pour encaisser une bastos, de toute façon. Je pense. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il a tiré dans le mur et ça, je me suis pris dans la gueule. C'est ça qui me déplaît, moi. Et ça c'est normalement ça marche pas comme ça la vie. La vie quand tu tires dans un mur, le mur bon soit c'est de la mousse et la balle passe à travers, soit la balle est arrêtée par le mur. Mais normalement dans ce jeu la balle est arrêtée par le mur. Mais avec le netcode bah non. Si tu te déplaces en faisant ça, bah le netcode il comprend plus rien et il dit bon bah celui qui s'appelle pas Chronos, il a gagné. Toujours ça, le netcode. Si vous avez appelé Chronos, vous avez perdu. Ah, je suis deg, j'avais tué le premier mec facilement, c'était bien passé. Et puis voilà, après il fallait que ça soit de la merde. La merde en barquette. Ah, c'est ballot. C'est ballot, Madame Chombier. Ce qui m'énerve aussi, c'est que en fait j'ai fait la même chose que lui, mais en sens inverse, et mes balles n'ont pas marché, les siennes oui. Donc moi je comprends pas pourquoi. Et je suis sûr c'est de la discrimination capillaire, c'est parce que j'ai les cheveux longs. Moi je l'ai vu tirer dans ta tête, après j'ai peut-être mal vu. Oui, non mais t'as dû avoir raison, il a dû tirer dans la tête, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est qu'il a tiré 2 balles, la première était dans le mur, la deuxième était dans ma tête, mais c'est la première qui m'a tué. C'est pas la deuxième qui m'a tué, c'est la première. Même pas, je suis sûr la deuxième elle était dans le mur quand même. Avec ce jeu de merde. Parce que le truc c'est que sur ma caméra, moi j'aurais dû le voir en fait. J'aurais dû voir le mec, mais je l'ai jamais vu. Donc c'est qu'il y a un problème de netcode. Tu peux pas te prendre une balle si tu la vois pas dans FPS normalement. Si tu vois pas la source, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'angle. Normalement, c'est comme ça que ça marche, hein, FPS. Mais ce jeu, il a décidé de pas marcher comme les autres. Ou de pas marcher du tout, question de point de vue. Bah, je suis en train de faire n'importe quoi parce que je parle. Et c'est énervant, quoi. Déjà, j'ai pas regardé du tout s'il y avait des ennemis aux alentours, donc je vais me faire régler comme un gratuit man. Il y a pas de porte. Ouais, e-flag kill Chronos, ouais, je suis tout à fait d'accord. À mon avis, il y a cette ligne dans le code du jeu. Mec, pas du tout. Pas du tout un gros connard. Enfin, non, mauvais joueur. Enfin, connard aussi, mais. Voilà quoi. Surtout mauvais joueur. Ah, c'est un XXL déjà. Tant pis. Yes, je vais pouvoir donner un sac à dos 3 au mec qui me tuera. Il sera bien content, je pense. C'est toi, Mergotti, en fait, qui a fait la programmation de ce jeu, hein. À vous. C'est toi qui as rajouté une ligne pour que je meure obligatoirement en cas de duel.
À vous, crache le morceau. Ouais, t'es grillé, hein. Je vais te ban, hein, fais gaffe. N'importe Nawak. Bon, je vais au combat. Normalement, il y a du monde qui a drop là où j'étais tout à l'heure. Comme la zone est par là, en plus, c'est pas grave d'aller là-bas. Pierre de coup. J'ai toujours peur qu'il y ait des cons qui soient en haut sur les montagnes et qui me règlent sans que je les voie. Pourquoi c'est pas ouvert? Oh! Il y a un mec. Nickel. Foutu qu'une seule balle. Ma vie, c'est de la merde. J'ai foutu une deuxième balle. Ma vie, c'est de la merde. Oh putain! Bah nickel. Si c'est le même mec, je vais regarder la killcam parce que si c'est le même mec, je suis dégoûté. Parce que je vois pas comment il a pu contourner alors que je regardais tout le temps. Mais avec ma chance légendaire, j'ai dû. Ah non, c'est pas le même. D'accord. Donc lui, il savait que j'étais là, il a entendu mon silencieux. Ah ouais, quand je sors des baraques, il y a un drop de frame. Des baraques en bois. Alors le mec il jouait comme une brêle, mais je comprends pas comment il m'a repéré en fait. Il m'avait vu? Je pense qu'il m'avait vu comme ça. Ça. Là là. Je... M'attendais pas à qu'il me repère avec mon silencieux. Et qu'il passe à côté de l'autre ennemi sans que l'autre ennemi ne fasse quoi que ce soit. Mon bol légendaire encore frappé. 15 minutes, j'ai le temps pour une dernière partie en drop agressif. Puis après, j'arrêterai. Et c'est un drop de beaucoup de frames ou très peu? C'est supportable. Parce que là, je suis en low déjà. Si je réduis encore, ça va commencer à être très 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 très, très dégueulasse comme jeu. Déjà que là, c'est pas beau. J'en ai marre de ma chance légendaire. Et on va aller au Dox. Très peu, bon ça va alors. Je le sais comme ça. Parce que moi j'ai pas de drop, donc c'est l'encodage qui merde, comme c'est mon processeur qui fait l'encodage pour le stream en direct. Donc quand il y a des chargements plus intensifs, bah, mon processeur il freeze, mais pas ma carte graphique. C'est pour ça que moi j'ai pas les pertes. Enfin c'est l'encodage processeur qui merde et pas l'encodage carte graphique. Qui elle est à l'aise quoi. Je suis large. Même si j'enregistre avec ma carte graphique. Mais là, malheureusement si je encodais pour le stream en carte graphique, j'ai pas assez de bitrate pour que ça soit rentable. Ça fera une qualité dégueulasse. C'est le problème de l'encodage avec carte graphique, il faut un gros bitrate pour que ça soit équivalent à de l'encodage de processeur, c'est moins efficace. Qu'est-ce que je prends? Je suis reparti sur les anciennes techniques de drop.
Non, c'est pas arbre hein, que ça bug, enfin que j'ai des drops de frame quand je sors d'un bâtiment en bois, c'est juste que à mon avis ça charge un morceau de la map quand je sors d'un bâtiment, tu vois. Ça charge un affichage. Bah nickel. Je crois que je vais être juste derrière. Alors pas du tout, pas du tout. Je suis beaucoup trop loin, madame. Backdash. Je vais aller dans ce mirador nul et puis je vais être en slip. Parce que là-bas, il y a trop de mecs et je suis trop en retard. Yes, les Thompson. Alors on va aller au combat. Gilet 3. Non, lui il est mort. Une carte. Coup de spray dégueulasse. Tech pénis, mais c'est tout pris dans le pénis. Désolé. Mais c'est son nom. C'est pas ma faute à moi. Bon. À mon avis, il reste un clampin. Et il va me tuer. De ce spank dans le resto chinois. Me disait bien qu'il avait dû me voir. Le fils de pute!
Sérieusement? One shot avec le AK? Je suis vraiment deg là. Le mec comme ça, one shot du pif avec son AK de merde. Il était en slibard et il m'a tué. C'est pas possible. Regarde, il a tout foutu à côté, qu'est-ce qu'il branle là? Il m'a pas vu. Et tire-toi, j'ai foutu 0 balle. Tu le crois, ce jeu de merde? Code avec le cul, hein, je te jure. Bon bah sur cette mauvaise foi, on va arrêter. Sur ce, bon j'ai fait 2 kills au moins, donc c'est bien. Mais là, je suis tué par ce jeu codé avec le cul, là, ça m'énerve. Sur ma caméra, j'avais clairement vu une tache de sang et une balle aller dans sa mouille. Hein. J'ai pas tout tiré à côté. Hein. Et là, sur la sienne, j'ai même pas tiré une balle. Je me suis offert, d'après sur sa caméra, je me suis offert. Alors que sur la mienne, j'attendais, j'ai foutu une balle. Au moins. Mais non. Bon, sur ce jeu de la merde, sur ce jeu, c'est de la merde, je vais arrêter là. Donc, des bisous YouTube, mets un pouce bleu pour ce skill effroyable. Et puis, ce merveilleux netcode qui me permet de mourir à chaque fois dans tous les affrontements. Mais le netcode n'est jamais pour moi. Donc, des bisous YouTube, mets un pouce bleu.